ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Jésus, et dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. C'est sur mon guide, toujours obéir. Prends Jésus, prends ma vie. Mon corps, mon cœur, mon âme. Elle est tout à toi. Oh Jésus, et dans ta grâce infinie, Tu m'as garde-moi. Travaille, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Tout à toi, elle est tout à toi. Jésus, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble, donc vers la gloire, marchons en avant. Chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant, avec chanter. Oh, Jésus, prends ma vie. Oh, elle est tout à toi. Jésus, prends Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Et dans ta grâce infinie. Bonjour, bonsoir, et j'espère que nous t'es passé une bonne semaine, et bien que nous connaissons que niveau en forme tout le monde un peu baissé à cause de fléau coronavirus qui a ravagé le monde,
Mais bon Dieu compte pour qui. Donc nous dans Actes des Apôtres chapitre 15 verset 36 et nous arrivons jusqu'au chapitre 16 verset 15. Et titre nous gagnons pour message nos journées aujourd'hui hein, c'est une séparation pour la multiplication. C'est ça que nous allons regarder tout à travers texte que nous allons gagner là. De chapitre 15 verset 36 jusqu'au chapitre 18 verset 18, nous allons parcourir ensemble deuxième journée missionnaire Paul. Le missionnaire que Paul t'a fait de l'Asie, traverser l'Asie jusqu'à la Grèce. Paul t'a gagné désir pour te voir avec propres yeux parler qui ça comment l'église yo t'a évolué, qui miracle comment bon Dieu t'a travaillé dans la vie différentes églises que ont été fondées durant première journée missionnaire environ 5 années de cela. Dans verset 36, il dit quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. David Guzik a interprété verset ça, il dit que Paul te gagne cœur un obstétricien dans le sens que li non seulement t'a mené moun yo dans corps Christ là, un obstétricien li fait accouchement. Et mais il dit tout que il te gagne un cœur de un pédiatre. C'est pas seulement bay naissance mais il t'a prend soin en ti moun yo pour grandir. Donc Paul t'a prend soin l'église. Et dans verset 37, Barnabas voulait emmener voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait laissés depuis la Pamphylie et qui ne les a fait point accompagner dans leur œuvre. Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Cilicie et la Cilicie, fortifiant les églises. Séparation de Marc avec missionnaire yo dans chapitre 13 t'a pas suscité dans chapitre 15 dans là yon séparation t'a pas suscité une discussion entre Paul et Barnabas et dans discussion ça nous peut-être a posé tête nos questions qui est-ce qui gagne raison qui est-ce qui gagne tort c'est peut-être question n'a posé en pile monde posé donc Luc pas ban nous aucune indication pour la dire nous mais qui est-ce qui gagne raison mais qui est-ce qui gagne tort mais nous capable dit tout les deux te gagne tort parce que nous pas ouais que yo mentionné côté yo te consulté Saint-Esprit bon Dieu là-dedans li. Bon Dieu dans souveraineté li pral utiliser séparation ça pour faire gloire li éclater. Mais c'est pas en raison tout pour moi même avec ou qui en dedans l'église, c'est pas en raison pour moi même avec ou qui fait partie de un groupe de même corps pour nous utiliser texte ça pour nous justifier querelle banale nous pour nous justifier division banale sans sens nous donc nous devons clair sur ça bon Dieu capable de changer mauvaise expérience yo en de bonnes leçons bon Dieu capable de changer mauvaise expérience yo pour ban nous de bonnes directions mais en ce qui a trait avec péché bon Dieu capable de pardonner péché bon Dieu pardonner péché mais pas oublier que conséquence physique yo c'est nous mêmes l'homme qui paye yo. Oui, bon Dieu capable, bon Dieu a pardonné péché, le nous repenti, mais conséquences physiques il a prêté pour nous. Pour un pile monde, pour quelque monde, il pensait que Barnabas t'a quitté affection naturelle que il t'a gagné pour Marc, t'a prendre déçu du ministère. Et même j'entends pour l'autre, il pensait que Paul pas de voulait partager gloire, pas de voulait partager gloire travail ça avec un monde qui était juste quitté au champ de bataille. Et pour un pile Paul te gen raison parce que nous voyons que la Bible dit nous on ben dans texte il dit que frère dans l'église en church yo te prié avec Paul yo te recommandé yo pour travail Seigneur. Quel que soit si là qui te gen raison. Quel que soit si là qui te gen tort, gen en vérité qui essentiel que nous doit connaître. Dans travail bon Dieu, pas gen monde qui irremplaçable, pas gen monde qui indispensable dans le travail de Dieu. Servir activement dans un ministère, servir activement dans le travail, bon Dieu, c'est juste une grâce que lié pour nous. C'est juste une bénédiction que nous-mêmes n'avons pas sous propre tête, pas nous. Mais nous avons servi le Seigneur à travers un ministère, à travers ça que lui confie nous. C'est juste bénédiction, grâce.
Et si vous pensez que vous êtes seul monde qui a fait ça, vous pensez que vous êtes seul monde qui que bon Dieu gagne là pour faire ça, vous avez songé l'histoire d'Élie. Là, nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19. Élie répondit : J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Donc ça, c'est complaint par Élie. Tu as plein que. Je pour compte, mais quand il a cherché pour tuer, il a caché pour être capable de protéger tête. Mais songez, dans le service par Seigneur, complaint. Un ouvrier dans le travail Seigneur, c'est annoncer l'annoncer fin, ou bien fin travail, c'est annoncer l'annoncer fin service ouvrier ça. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 18, bon Dieu répond, il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Vous rappelez, il y a 7000 soldats captains qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Donc, complaint plein, yon ouvrier dans le travail Seigneur, c'est annoncer l'annoncer fin travail, fin ministère. Marc, plus devant, pour le regagner confiance, Paul, ou bien pour le retourner dans le travail avec Paul encore. C'est une leçon pour nous tous. Le nous travail en équipe, ce n'est pas différence nous qui problème. Non. C'est pas divergence nous qui problème non, mais c'est façon que nous appréhender différence yo, c'est façon que nous toucher divergence nous yo, c'est yo qui pas le problème non. Donc n'a toujours différent parce que bon Dieu créé nous différent. Donc c'est façon que nous attaquer. Donc plus devant dans Luc dans 2 Timothée 4:11, nous est Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Donc Marc est retourné dans le travail avec Paul. Chaque situation, c'est occasion pour nous améliorer. Nous. Chaque situation dans la vie, petit bon Dieu, c'est occasion bon Dieu, ben nous, pour nous venir au meilleur monde, pour nous traduire la meilleure version de nous-mêmes. Chaque situation. Tout comme peut-être Abdin, fléau ça qui vient là, est-ce que, oui, fléau COVID-19, ça, la belle opportunité avec l'homme pour venir une meilleure version, pour venir un meilleur monde. Parce que peu importe, tout le monde pas mourir. Donc, le monde qui a prêté, c'est la belle opportunité pour venir un meilleur monde. Donc, fortifier les églises, ça te fait partie du ministère de Paul. C'était partie, même si nous avons le rôle principal de l'église, c'est fortifier les saints. Parce que bon Dieu baille chaque monde qui est dans l'église là des talents, des dons pour perfectionner l'église là. Donc Wall Paul bien mission Paul ministère c'était fortifier l'église yo, même Jean Wall principal l'église c'est fortifier les saints. Et nous ouais dans chapitre 16 que le pral continuer journée missionnaire ça. Dans chapitre 16 verset 1, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre et voici il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Paul t'a poursuivi deuxième journée missionnelle et il arrivait qui bon à Derbe. Derbe, nous songeons dans la première journée missionnelle dans chapitre 14 que il était gagné succès dans le travail que il a fait à Derbe. À Lystre, nous songeons histoire ça tourne dans chapitre 14 côté que il était prendre lui-même avec Barnabas après guérison il était fin fait pour un homme ça qui était malade il était voulu honorer, il était voulu faire des sacrifices
offrir des sacrifices à eux-mêmes en tant que des dieux, parce que tu crois que Paul avec Barnabas te représentait deux parmi pile dieux, tu te gain à liste. À liste où nous pas joindre que Paul rivé là, il recevoir témoignage de un jeune garçon. Il recevoir de un bon témoignage de un jeune garçon à liste. Et jeune garçon ça probablement te recevoir l'évangile environ 5 ans de cela pendant première journée missionnaire Paul dans toute péripétie que Paul t'a fait. Pendant que n'a parlé de bon témoignage, on t'entendait histoire, il racontait histoire de deux frères. Mais deux frères ça tout le monde dans quartier te connaît comme des brigands, tout le monde dans quartier te connaît comme des vagabonds, tout des bou bagay qui mal en fait dans quartier qu'on est deux messieurs ça là-dedans. Et puis gagne là dedans vient mourir. Et pendant le vient mourir l'autre frère à côté célébrer monde cap célébrer funérailles là, on même monde cap diriger funérailles là, il dit ouais, dans moment que nous pral parler de frère là. D'après mais que nous fait frère là paraître saint. Nous fait nous dit ça qui bon seulement de frère là, montrer que frère là c'était un saint. Et puis OK, célébrer dit pas un problème et puis les jours le moment arrivé, monsieur pral parler, il dit nous on nous ça coucher dans cercueil ça. Ou ka bandi pa pasil. Ou ka menteur pa pasil. Ou ka magouyel bay tout défaut net pa pasil. Mais il dit en comparaison avec frère Lenk Chita là, monsieur c'est un saint. Donc puisque frère a demandé pour te faire un saint, il compare pour le faire que il c'est un saint par rapport avec frère là. Songez bien, témoignage non important. Jeune garçon ça te gagne bon témoignage là, il c'était petite une dame, une juive. Mais papal était un grec. Elle te répond au nom de Timothée. Et Timothée, plus tard, t'as pas devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Et nous voyons John Paul pour dire Timothée, c'est petite légitime dans la foi. C'est ça qui prouve nous que Timothée peut-être a accepté Christ dans le moment, première journée missionnaire Paul. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2, il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Timothée, c'était résultat de un travail de courage et de sagesse de première journée missionnaire Paul. Paul et Barnabas t'ont fait preuve de courage pour t'empêcher population ça t'est venu adorer comme des dieux. C'est même foule ça, même population ça tout t'a pas adoré qui t'a voulu adorer Paul avec Barnabas, c'est même les mêmes qui t'a pas traîner Paul à jeter lui dehors comme mort. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Et j'aime moins insister sur lui en pile fois que nous devons faire en pile attention avec foule parce que foule en général lui folle. Paul était tellement impressionné de témoignages de Timothée, de bons témoignages que tu as gagné de jeunes garçons. Peut-être un jeune garçon qui était plein de fougue, plein d'énergie, mais Paul était automatiquement besoin de monsieur dans l'équipe. Il était besoin de monsieur accompagner. Pour moi-même, Timothée, c'est un exemple de la providence de Dieu pour ministère dans la vie ministre, bon Dieu. C'est providence, bon Dieu, dans la vie ministre, pas lui-même. Peut-être Paul était capable de sentir dans un moment ça. Vide, absence, ou bien vide séparation avec Barnabas dans la ville. Songez qui est Barnabas teye dans la vie Paul. Barnabas, c'est celui-là qui te prend Paul, mène li devant apôtre. C'est celui-là qui t'a défendre Paul devant apôtre. C'était Barnabas. C'est celui-là qui t'a cherché Paul à Tarse pour te introduire li dans le ministère. Donc ça veut dire, vide là, tu es capable là. Mais bon Dieu, tu as un plan pour la vie Paul. Bon Dieu t'est déjà préparé pour Paul à liste. Il t'a un plan. Donc c'est juste pour me dire nous tout. Quel que soit ça que nous avons fait dans le travail de Dieu, songez bien, pas gagner monde qui irremplaçable dans le travail bon Dieu. Et quelle que soit raison qui fait ou aller Barnabas, songez bien, bon Dieu gagne un Timothée qui a continuer route là. Quelle que soit raison, bon Dieu gagne Timothée pour continuer travail là. Ça que nous besoin clair sous lui. Bon Dieu créé nous pour nous bali gloire, l'honneur, l'orange que lui-même seul mérite. Donc tout ça n'a fait assurer que nous fait de bon cœur, assurer nous fait travail nous pour nous glorifier nos bon Dieu, non pas pour nous plaire aux hommes. Parce que si c'est mon on va chercher faire plaisir, garantie ou déjà échoué.
Donc, au besoin faire bon Dieu plaisir, au besoin vivre une vie qui pour épater bon Dieu à travers comportement, à travers action, à travers ça qu'on a dit, au besoin fait bon Dieu dit waouh pour. Et le bon Dieu capable dit waouh pour. Le bon Dieu prend plaisir dans la vie, je suis sûr et certain, l'homme va le bénéficier. L'homme va le prendre plaisir. Et moi, je suis toujours clair sur ça. Avec famille, avec mon qui entourage, je toujours dire que moi, je voulais faire bon Dieu plaisir. Et depuis bon Dieu prend plaisir dans la vie, moi, je prends plaisir. Parce que moi, à travers l'histoire, en tant que lui, si je me complète, dans toute situation que moi trouvé, moi, toujours connais que bon Dieu bon pour moi. Et je toujours connais que plan bon Dieu pour moi, les meilleurs que plan que moi gagne pour la vie, moi. Pour qui ça? Paul prend Timothée, il fait ses conseils Timothée. Alors que il te prend titre, il est allé à Jérusalem avec lui, il pas ses conseils. C'est peut-être question qu'on a posé. Pour qui ça Paul ses conseils Timothée, il pas ses conseils titre. Songez bien dans l'histoire ça là. Circoncision Timothée pas rien pour lui avec salut Timothée. D'ailleurs, Timothée était accepté Christ et témoignage extraordinaire a fait sur Timothée. Donc circoncision Timothée, c'était pour enlever toute barrière juif t'es capable de gagner parce que selon loi juive yo, un juif qui pas circoncis était considéré comme un apostat. Donc Paul a tiré barrière ça, c'est pas barrière salut. Paul pas circoncis Timothée pour te satisfaire la loi juive, mais pour te satisfaire la loi de l'amour parce que à cause de l'amour, il sacrifier circoncision ça pour capable libérer frère juif yo. Et songez Paul dit hey, me fait tant que juif l'aime avec juif, me fait tant que païen l'aime avec païen. Raison parce que me besoin gagner plus grand nombre pour Christ. Et l'autre bagaille, yon l'église qui forte, yon l'église côté gagne l'amour, yon l'église côté Saint-Esprit bon Dieu à l'œuvre, et ben l'a grandi chaque jour en nombre. Maintenant à partir de verset 6, nous voir le Saint-Esprit bon Dieu parle prend contrôle là encore. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul devait diriger vers l'ouest, mais Saint-Esprit t'a empêché. Empêché d'y aller. Comment? Et pour qui ça cet esprit mon Dieu empêcher Paul aller en Asie? Comment et pourquoi? Paul t'a pas prêcher l'évangile dans zone ça. Comment? Parce que pour moi-même parce que Saint-Esprit mon Dieu était déjà à l'œuvre, Saint-Esprit mon Dieu était déjà connaît qui ça qui meilleur et Paul pas de personne idéale dans place ça dans moment ça. Et pour te porter message ça dans province Asie. Désir Paul pour t'aller évangéliser, pour t'aller prêcher en Asie, pas mauvais dans aucun cas. Mais le problème timing bon Dieu pour te là. C'est pour te timing bon Dieu. Moi même avec vous tout, nous capable bien de bonne volonté, nous capable bien de bon désir pour nous font travail, pour nous font bagaille quelconque. Songez bien, si nous pas respecter timing bon Dieu dans ça que le relé nous pour nous faire dans place que bon Dieu relé nous si nous aller avant le la fatale pour nous si nous aller après le tout il est capable fatale pour nous donc nous besoin respecter timing bon Dieu c'est le meilleur bagaille pour nous. Maintenant Paul tente un autre côté, il tente aller vers le nord à Bithynie. Là encore Saint-Esprit bon Dieu dit non Paul, c'est pas là m'vle. Finalement Paul prend sens inverse là, il est allé à Troas. À Troas, Troas pas ni plan A Paul, il pas ni plan B Paul, peut-être il pas même dans plan Paul du tout. Pourtant, il était dans plan Saint-Esprit bon Dieu pour Paul. Bon Dieu t'a voulu Paul aller à Troas. Paul t'a pas rencontré, t'a pas connaît
ou bien t'as commencé à connaître comment qu'il doit abandonner volonté dans mes bon Dieu. Laisser libre habiter avec bon Dieu, avec Saint-Esprit bon Dieu pour lui agir. Pour lui agir pour lui. Nous capable, j'ai comme ça dit, gain bonne volonté, gain bon plan, mais nous besoin toujours connaître que bon plan, meilleur plan, c'est Saint-Esprit bon Dieu gagne pour nous. Pas nous capable bon mais meilleur plan, c'est Saint-Esprit bon Dieu qui gagne. Donc nous devons faire pile attention. Jean que dicton en dit en général bon c'est pire ennemi de meilleur. Donc nous besoin pas prendre un piège pour quitter bon bloquer meilleur. OK? Songez bien Saint-Esprit bon Dieu il gagne meilleur plan pour la vie nous. Saint-Esprit bon Dieu il dirige petit lio soit en fermant des portes ou bien pendant que la ouvre porte. Et comme ça Saint-Esprit bon Dieu en pile fois agir à petit, en pile fois, il ferme porte ça devant tant que petit bon Dieu qu'on est OK bon Dieu pas vraiment entrer là. Il ouvre porte ça ou entrer là. Donc Saint-Esprit bon Dieu c'est comme ça que il agit avec petit lio. Là on porte ouverte, nous entrer. Puisque Paul commence à aligner volonté en bas volonté Saint-Esprit pour la ville, bon Dieu pour clarifier qui bol vlil. Dans une vision, il va le changer, il va dire Paul, moi besoin aller à Macédoine. Et de Macédoine étant, il va le traverser tout jusqu'à l'Europe. Paul va le changer de continent, de l'Asie à l'Europe. À l'Europe. Paul, peut-être dans le plan Paul, Paul d'Algan, à l'antiville, à l'évangéliser de tout le monde, ou bien tu tout parcourir toute une région. Bon Dieu dit non, moi gagne tout un continent. Les bail Paul tout un continent pour évangélisation. Sûrement Barnabas t'es continué tout à faire travailler avec Marc à fortifier l'autre l'église qui était dans zone yo. Donc Barnabas t'es continué en pile fois moi même avec ou non capable faire plan pour une semaine, plan pour moi, plan pour année. Songez bien, plan que qui meilleur pour nous, c'est plan que bon Dieu voulait que nous fait. Et plan que nous a fait, hein, il doit baser sur l'échelle de l'éternité. Et m'a encouragé vivement, sincèrement pour réviser plan ou gain pour la vie, assurer que c'est un plan qui accordé, un plan qui marchait avec l'éternité. Et m'sûr que en pile dans nous-mêmes, journée jodi à la coronavirus a fait nous étudier plan, nous a fait nous réviser plan. Et pendant nous a réviser plan, assurer que ou investir dans ça qui a une durée éternelle. Investir dans le monde. Faire monde connaître qui est Jésus-Christ. C'est le meilleur cadeau qu'on est capable de faire au monde. C'est le meilleur cadeau qu'on est capable de montrer au monde le chemin qui mène à la vie. Hein. C'est le meilleur cadeau qu'on est capable de faire au monde. Donc, investir parole bon Dieu dans la vie du monde. Parce qu'on est capable de bien former le monde. Même si j'ai un ami, un personnage qui dit que d'investir en pile dans la vie jeune, faire à l'école, faire au graduer, faire entrer dans l'université. Et puis en pile fois, il vient réaliser que jeune ça a été investi pour bien former, il a fait coûte mal taille même gens avec tout le monde dans institution côté yoyé, il a fait coûte mal taille avec même gens avec tout le monde, soit dans gouvernement, même gens avec tout le monde. Donc et puis monsieur a bien réalisé en pile fois meilleur cadeau capable bailler au monde c'est la crainte de l'Éternel. Parce que l'elle gain la crainte de l'Éternel, il est capable de choisir dont il a chair, il est capable de dire non avec une série de désirs qui a venu dans la tête. Si nous capable de bien former un monde, on pas faire l'autre bagaille que bien former un magouilleur, bien former un menteur, former un fin menteur, un monde qui connaît, qui connaît qu'a fait un coup de maltaille avec finesse. Investir Jésus-Christ dans la vie monde qui dans entourage. On va le saisir ou c'est intérêt qu'on va le joindre sur investissement ça va être très grand qu'aucun doit pas même capable quantifier le vraiment investir parole bon Dieu dans la vie ou dans la vie entourage ou faire monde connaître que Jésus-Christ c'est chemin salut à Jésus-Christ c'est chemin la vie. Donc dans verset 6 dans verset 10 il dit après cette vision de Paul nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Nous, ça, important en pile. D'abord, qui raison qui empêchait Paul d'aller en Asie? Pour moi-même, moi énumérer trois. Un, c'est pas de timing bon Dieu pour Paul. Deux, Paul a besoin de faire pratique de dépendance du Saint-Esprit. Trois, bon Dieu t'a voulu former une équipe solide avec pour Paul. T'as besoin de Paul des
des hommes dans l'équipe li encore. Nous ça li indique nous que Luc médecin hein, te fait partie de moun sa yo. Luc auteur ak des apôtres fait partie de moun sa yo que Paul t'a pas cherché à Troas. Fait te retourner à Troas. Paul t'a dû retourner passer chercher Luc. Peut-être si bon Dieu t'a quitté Paul juste franchi route li, jeune jodi a nous ne doit pas même gien livre que les actes des apôtres. Nous ne doit pas même gien livre que l'évangile selon Luc. Bon Dieu fait Paul changer route parce qu'il t'a quitté un docteur, un historien pour lire. Et quel que soit Jean qui a agi dans plan bon Dieu, quel que soit ça qu'on a fait, songez providence bon Dieu toujours là. Et songez bon Dieu dit nous la Bible claire sur ça dans Romains chapitre 8 verset 28 en particulier, il dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais on est peut-être dans quelle situation hier journée aujourd'hui, mais on a qui soit fait face, mais on a qui soit réfléchi, mais ça a besoin clair. Sur un mais bon Dieu, avec tout cœur, avec toute force, avec tout amour, songez bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même moi quel moi espérer qu'au quel même j'ai en tout frère monsieur m'a prend courage m'a juste mettre clair pour que Paul pas de aucune idée de qui merveilleux plan que bon Dieu t'a pour la ville qui plan merveilleux que bon Dieu t'a pas tracé pour lui un continent pour t'y aller gagner à prêcher l'évangile un médecin personnel pour santé pour prendre soin lui et un historien pour aider li nan notre nan parcours li yo et moi-même avec ou journée jodi a n'a bénéficié de plan bon Dieu pour la vie Paul parce que Paul écrit moitié plus que moitié dans Nouveau Testament Calvary Chapel en pile fois les m'a regardé ça qui a passé autour de nous autour de moi dans l'église ça me juste comprendre que providence mon Dieu li là et en pile fois me réaliser que bon Dieu mettait tout don yo tout ça que li besoin pour perfectionner l'église ça là. Verset 11, étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Paul, avec compagnon, il a changé de continent, il a sorti de l'Asie, il a franchi pour l'Europe. Et c'était pour aller un grand, grand plan, un grand travail dans le ministère Paul. Songez bien, Satan pensait que il était capable. Il t'a pas joui de séparation Paul avec Barnabas que séparation ça t'a pas ralentir course l'évangile là c'est erreur Satan pas capable et nous séparation ça t'a pas multiplier croyant yo non croyant t'a pas multiplier Satan t'est capable disposer mais c'est bon Satan t'est capable à proposer t'est capable à faire des plans mais c'est bon Dieu qui disposait de toute autorité de tout pouvoir j'ai que dernièrement t'a parlé avec Clifford et côté que il dit chaque le Satan essaye barrer un bois, les mêmes les juste passer vitesse supérieure là, parce qu'il connaît, il connaît voir Satan, il pas prendre un piège ça. Dans verset 12, il dit de là nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions se trouver. Où nous pensions se trouver un lieu de prière. Nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Pour qui ça? C'est vers une rivière que vous êtes allé, vous n'êtes pas allé vers une synagogue. C'est un signe qui dit nous à Philippe, pas de 10 garçons juifs. Parce que dans la coutume juive, depuis qu'il y a 10 garçons, vous êtes prêt pour fonder une synagogue, vous êtes prêt pour constituer une synagogue. Et quelle que soit quantité fixe que tu gagnes, il n'est pas valable pour un garçon. Donc, il y a besoin de 10 garçons juifs au moins pour fonder une synagogue. Dans verset 14, il dit l'une d'elles, l'une parmi mesdames, ça a été en Beau-Rivière, là, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande.
Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Thyatire, c'était une province romaine, mais c'était une ville qui était une zone qui était très reconnue, qui était très réputée pour fabrication de poupre. Donc des boutons des besoins parler de poupre, eh bien Thyatire c'était référence là. Même j'ai une époque dans le pays d'Haïti depuis au douce macos, on était déjà ouais c'était guave. Depuis au douce noix, on était déjà ouais un cap haïtien. Et puis depuis au douce pomme de terre ou juste ouais c'est dans les hauteurs tant qu'au forêt des pins. Tout marchand poupre dans l'époque ça, ils étaient très considérés et en pile fois c'était des personnes riches qui étaient parce que poupre te gagne en pile valeur, te gagne en pile valeur. Et nous voyons que Thyatire t'a pas le gagne une l'église qui t'a pas le fondé là-dedans. Et nous parlons de Jésus-Christ pour l'écrire ou bien bon Dieu pour parler dans Apocalypse avec l'église de Thyatire dans Révélation chapitre 2 verset 19. Il dit je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Yon l'église qui était fondée dans Thyatire. Lydi, histoire rapportée, c'était une dame riche. C'était un monde qui était la crainte pour bon Dieu. Et ça t'a prouvé nous, intelligence li tout. Donc, tout intelligent, un monde capable d'intelligent, c'est l'on a la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui fait nous intelligent. Et mais Seigneur, t'a pas ouvri que Lydi. Non seulement pour te tendre, pour te attendre attentivement message Paul, mais pour te comprendre message là, pour te répondre avec message Paul pour la vie. Et c'est comprendre bien, ouvrir que monde pour message parole bon Dieu, ouvrir que monde pour venir à salut, c'est job bon Dieu qui est lié. Dit pas job moins, job moins c'est faut qu'on ait que Jésus-Christ c'est chemin la vie hein. C'est faut qu'on ait que Jésus-Christ dit est venu bailler la ville pour capable sauver ou pour capable racheter ou l'ont accepté Jésus-Christ ou gain la vie en abondance. Ça c'est travail pas pour faut qu'on ait que rappelons qu'on c'est un pécheur qu'on pas capable faire rien pour sauver tête ou mais Jésus-Christ a fait toute bagaille dans place ou job pas fini. C'est Saint-Esprit bon Dieu qui a convaincu, c'est lui qui a parlé dans le cœur pour capable répondre avec appel ça. Et nous Jésus-Christ pendant passage li dans Jean 6 verset 44, il dit nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est travail bon Dieu, c'est bon Dieu qui a ramené ou vers Christ. C'est bon Dieu qui a ralé ou venir joindre en Jésus-Christ, c'est lui-même qui est capable de convaincre. C'est lui-même qui est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Jugement bon Dieu certain. Et m'espérer que autant de voix bon Dieu, autant de voix Seigneur qui a parlé avec ou même Jean avec Lydie, soit pour le venir à salut, si vous pouvez venir à salut, soit pour le montrer aux meilleures façons qu'on est capable de vivre, soit pour le montrer la bonne direction, la bonne manière de faire. Donc, faites de Jésus-Christ priorité la vie ou, et qu'on ça la vie va gagner sens. Sans Jésus-Christ comme étant priorité la vie ou pas gagner sens. L'amour, l'idi, pour Jésus-Christ, t'as pas le démontrer à travers dévouement pour lui assister avec un serviteur Jésus-Christ. Et ça aide à me rappeler mes amis qui étaient dans une situation et puis n'a parlé. Et monsieur font un commentaire qui était attiré attention le ça. Je dis, au compte ça passe Fennel. N'a préféré esclave, un pauvre serviteur de bon Dieu au lieu que m'dal chita sous même table avec un homme riche qui ignorait présence Jésus-Christ dans le monde ça. Et ça t'a attiré attention, t'a comprendre. Et son bail est extraordinaire le noir marcher avec bon Dieu. On imagine que gens que nous ait attiré recevoir lettre là. On imagine que tu as recevoir une lettre même gens avec l'église Thyatire. Qui ça bon Dieu a besoin qui bon pour le dire. Quelle que soit raison
qui était cause séparation Paul avec Barnabas. Mais nous voyons que l'église, parole mon Dieu, chrétien t'a pas multiplié, quelle que soit raison, hein, songez bien, dans providence par bon Dieu, séparation c'est pour multiplication que lié. Là nous séparer en tant que petit bon Dieu, nous pas faire travail, faire bon, faire plus monde connaît qui est Jésus-Christ, nous pas séparer pour nous venir plus mal, pour nous venir plus petit, nous pas séparer pour nous blanc réduit. Dans mathématiques par bon Dieu, séparer c'est multiplier que lié. Quitte me tout aussi certaine que la mort physique est capable certaine dans nous clair sur ça. Statistique prouve 100% monde qui fait 100% monde mourir. Donc la mort physique li certaine, même gens paradis avec l'enfer yo certain. Yo certain. Et paradis et l'enfer yo dépendent de qui choix ou même ou fait de bon Dieu. Choix fait de bon Dieu c'est lui qui déterminer paradis ou ou bien l'enfer. Jésus-Christ te vin bay la ville pour te capable racheter nous. Et Jésus-Christ li vle consolider nous. Li vle aider nous dans situation que nous y est parce que li promet nous déjà. Li li avec nous, li pa jamais quitter nous, li pa jamais abandonner nous. Que bon Dieu, c'est boussole la vie, que Saint-Esprit bon Dieu va guider ou même bien que le t'a guidé Paul avec équipe li a, que li va conduire nous dans le précieux nom de Jésus. En nous prier. Seigneur, nous te remercions. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, ou te bail la vie ou pour capable sauver nous. Nous demandons au Père qu'on va nettoyer nous, qu'on va purifier nous, qu'on va conduire nous, qu'on va aider nous, Seigneur, pour nous vivre selon volonté. Non pas selon volonté, pas nous. Non pas selon désir, pas nous. Mais Seigneur, pour nous faire confiance tous les jours jusqu'à ce qu'on va retourner, venir établir royaume sous terre. Ça. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. C'est ça que nous avons besoin matin à travers la musique. Merci. Pour côté on te prend. Pour côté on mette. On va adorer ensemble. Merci. Merci. Pour côté où te joindre. Pour côté où te Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Pour côté où te joindre moi. Pour côté où te prends moi. Pour côté où m'aider. Merci. Pas capable qui est à moitié. Malgré toute connaissance, ni les hommes devant moi. Moi, t'es toujours pensé, puis plus, que ça me fait sentir. Mais c'est prostitution qui t'es sous connaissance, moi. Dem vin jwenn a Jésus, je l'esprit te louvri. Moi vin comprendre sa mie, moi vin comprendre sa mie, pou ki sa fè kriye. La vie vin gen lòt koule, tout vizyon mwen te chanje. Jésus fè, mwen vini, yon lòt. Si nous pouvons s'en camper pour nous chanter, pour nous dire merci. Merci. Oh. Pour côté où te joindre moi. Pour côté où te prendre moi. Pour côté où m'aider. Merci Jésus. Merci. Où est-ce où te joindre moi? Où est-ce
marche dans la vie, des femmes pas consacrées. Fais justifier moyen, c'est comme ça que t'es pensé. Moi, t'es toujours besoin, puis plus, on y est pas satisfait. Non, ça fait personnel, c'est tes motivations. Oh, l'aide vient joindre à Jésus, j'ai l'esprit de t'ouvrir. Moi, viens comprendre, pardon, l'amour, la charité. Même songer sacrifice la croix, qui fait brailler chacun pour soi. Jésus fait, moi, viens en l'amour. Oh, sacrifice la croix. Merci en paix, Jésus.